Remettons en cause la procédure de la flagrance telle qu'elle se présente dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que la procédure elle est bel et bien ordinaire, mais pour camoufler le fait que notre client a des immunités parlementaires, il a été présenté ici. La Constitution de la République du Congo a tout organisé et a tout prévu. Et les dispositions pertinentes de cette Constitution du 18 février 2006 donnent la plénitude des compétences pour juger un député national à la Cour de cassation. Et là, nous vous renvoyons aux articles 107, alinéa 3 de la Constitution. Mission TV, le miroir du monde. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre l'honneur et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ces jours. Commandant poste d'audience, adjudant de première classe, Kapiamba, Kapiamba Delphin. À vous, mon général. Kamo, pied. Réco. Le président, pour la parole, il vous souviendra que cette l'audience se tient en procédure de flagrance. Le ministère public a présenté devant votre cour le prévenu Mwanga Tchouchou pour des faits qui
ont été déclenchées par la découverte de caches d'armes dans la concession SMB à Rubaya, SMB dont M. Mouma Tchouchou est propriétaire. Sont ces faits qui ont mis la puce à l'oreille de services de renseignement qui ont estimé qu'il fallait perquisitionner chez lui dans sa résidence à Kinshasa aussi. De ce fait, à Rubaya, il y avait dans ces sites-là un détachement de la police dont les commandants se trouve être le commissaire principal Mouchamaliwa Robert. Il pourrait être le commissaire principal Mouchamaliwa Robert. Étant donné qu'on a découvert ces armes dans ces sites, que, où se trouvaient les policiers, ces policiers ont été interpellés et nous voulons les présenter en même temps que le prévenu Mouma Tchouchou. Il est dans la salle. Nous voulons donc le présenter devant la cour pour être poursuivi pour cette détention de ces armes-là. Et notamment participation à un mouvement insurrectionnel. J'ai dit. Vous voulez présenter en procédure de. Bon, veuillez le présenter, si vous avez une question de moi. Mon nom c'est Mouchamaliwa Balike Robert. Mouchamaliwa Balike Robert. Balike, commissaire principal. Depuis quand est-ce que vous êtes dans la commission? Depuis 2009. Vous avez fait la formation en commission par vous? Au centre d'instruction Jules Moquet. Qui? CI Jules Moquet. CI Jules Moquet. Je suis d'abord formateur de police. J'ai la spécialité en police des mines. Assister à la haute cour va vous donner un avocat, un défenseur de votre choix. Au cas où vous n'en trouvez pas un, la loi nous donne la possibilité de vous en désigner un si vous êtes d'accord. Hein? Nous n'allons pas vous forcer la main. C'est ainsi que nous allons temporiser un peu en ce qui vous concerne. Et il y a même un problème parce que tout ce que les autres diront risque d'avoir des répercussions sur vous. Et si vous n'êtes pas assisté, ça ne va pas permettre un jeu. Ça va vicier vos droits. L'équilibre ne sera pas assuré. C'est ça la grande difficulté. C'est quoi? Mouma Tchouchou, avec ses conseils, si vous pouvez venir. Procédure de flagrance, il y a un co-prévenu qui vient de nous être présenté et qui n'est pas assisté. Nous venons en même temps de recevoir un mémoire unique et c'est votre droit. La
question que nous sommes en train de nous poser, faut-il discuter de ce mémoire unique qui risque d'avoir aussi des répercussions sur lui sans que l'autre ne soit assisté? Voyez-vous pas que nous allons déséquilibrer le jeu? Pourtant, le jeu doit être équilibré et transparent. Comme vous aurez le remarqué, notre client a un certain âge. Je disais que nous intervenons à titre tout à fait humanitaire parce que notre client a un certain âge et il est suivi médicalement. Et depuis une semaine, il n'a pas pris ses médicaments. Non seulement que ce matin, il nous a dit qu'on lui a relevé une tension qui était suffisamment élevé, 27, mais aussi également qu'il a un problème de respiration et son appareil qui lui permet de rééquilibrer la respiration lui a été arraché lors de cette procédure. Alors nous aurions souhaité que si votre cour estime que pour les devoirs d'instruction, il y a lieu de devoir remettre dans cette affaire pour que le co-prévenu, comme vous l'avez indiqué, soit assisté, que votre cour puisse tenir compte de notre intervention pour ne plus que accorder la liberté provisoire à notre client, sinon le mettre à la disposition du médecin pour qu'il soit suivi parce que au regard des éléments qui viennent d'être relevés, votre cours risque de poursuivre cette instruction avec une personne qui n'est plus à même d'avoir toutes ces facultés ou être en santé indiquée. Voilà, nous avons demandé. Vous pouvez être contesté si ce serait qu'on fait rester. Et posé par devant votre auguste cours. Et ces mémoires-là portent sur des irrégularités. Et la demande de la liberté provisoire. Vous vous en souviendrez qu'à l'audience passée, nous avions déjà épilogué cette question et votre haute cour nous avait promis de la présenter aujourd'hui. Par rapport au co-prévenu qui s'est pointé maintenant, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, nous osons croire que l'incident que ça pourrait avoir, c'est au fond du litige. Pour l'instant, si votre cour peut nous permettre de développer les moyens que nous avons sollicités dans notre mémoire, ça peut déboucher à ce que notre client continue à être en vie et soit jugé, même en état de liberté. Faire des jeux au moyen d'ordre public, maître, et la haute cour aimerait savoir quel est ce moyen d'ordre public que vous voulez développer. Le premier moyen, c'est que nous remettons en cause la procédure de la flagrance telle qu'elle se présente, dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que la procédure, elle est bel et bien ordinaire. Mais pour camoufler le fait que notre client a des immunités parlementaires, il a été présenté ici. Et nous le disons avec une démonstration très simple. Il a été arrêté à 1h du matin, en date du 1er mars 2023. Il ne savait pas de quoi est-ce qu'on les reprochait, mais ceux qui l'ont arrêté ont amené un document signé par les autorités judiciaires et l'ont présenté que nous sommes venus te prendre sur base d'un mandat. Il a vu le mandat, on ne lui a pas donné lire le mandat et on l'a amené à 1h du matin. De la même date, de 13h à 17h, une équipe de militaires est descendue. Ils ont commencé à fouiller dans sa maison, à perquisitionner sa maison. D'où la présence de tous ces effets que vous voyez. Et c'est au moment de cette perquisition
ils vont rencontrer les munitions du GP pour lesquelles il avait obtenu bel et bien l'autorisation. Merci. Merci. Les moyens d'ordre public est celui de l'incompétence de votre haute cour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, la Constitution de la République du Congo a tout organisé et a tout prévu. Et les dispositions pertinentes de cette Constitution du 18 février 2006 donnent la plénitude des compétences pour juger un député national à la Cour de cassation. Et là, nous vous renvoyons aux articles 107, alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie à l'article 153 de la Constitution. On vous 153 alinéa 3 de la Constitution. On vous renvoie également à l'article 156 de la Constitution. Monsieur le Premier Président, l'examen minutieux de la Constitution ne laisse aucune place à la haute cour militaire de juger un député national dans la mesure où la Constitution date du 18 février 2018, comme je l'ai dit, mais la loi portant procédure, le code de procédure militaire. Oui. Continuer alors que l'autre n'est pas assisté. Parce que ce que vous dites risque d'énerver ses droits. Et il a le droit de répliquer à ce que vous allez dire. Il n'est pas technicien, il n'est pas assisté. Et aller dans ce sens-là, c'est déséquilibrer le jeu. Or, le souci est que le jeu soit équilibré. Je connais le capitaine qui est là, mais si ce capitaine est venu ici, c'est parce que la compétence du député l'a ramené. Sinon, son juge naturel n'est pas la haute cour militaire. Nous ne tournons pas, monsieur le Premier Président. Non, les faits qui nous sont apportés par l'organe de poursuite, cette concession est considérée comme propriété de votre client. Et dans cette concession, il y a des armes de guerre, c'est l'organe de la loi, c'est l'organe de poursuite qui l'a dit, qui ont été découvertes. Et ce qui fait que il rattache les deux prévus dans un même lien de prévention. Vous avez le droit de soulever toutes sortes d'exceptions, c'est votre droit le plus strict. Mais, aussi longtemps que l'autre n'est pas assisté, ne voyez-vous pas qu'il sera déséquilibré? Donc c'est ainsi que, pour une bonne administration de la justice, il est de bon droit qu'on lui donne un petit temps pour qu'il se trouve un avocat. Comme ça, nous revenons et l'avocat va entendre ce que vous direz. Il aura aussi un mot à placer et là, le jeu sera vraiment équilibré. Je crois que c'est de bonne politique. Monsieur le grand de la loi, c'est vous qui avez amené, vous avez entendu. C'est un coprevenu. Rien ne peut se dire sans qu'il ne soit à mesure d'apporter sa contribution, de s'opposer, d'affirmer, d'infirmer ou d'acquiescer. Or, il n'est pas assisté. Il n'est pas juriste, il peut avoir fait les droits, mais la loi exige, oblige que toute personne soit assistée du défenseur de son choix. Toute personne poursuivie pénalement. Tout ce que vous dites est juste,
peut pas commencer à tourner autour de... Ça ne peut pas se discuter à mon sens. Nous voudrons, comme vous avez accordé la parole, profiter de cette de cela pour effectivement déposer les quelques documents qui sont venus avec les prévenus devant la cour. Qui va faire d'abord? Vous pouvez les énumérer pour que l'autre partie sache. Oui, il y a le la note de transfert du service de renseignement, d'état-major renseignement, il a transféré les prévenus. Il a mis à notre disposition. Il y a un rapport circonstancié de ce qui s'est passé à Rubaya, qui a conduit à retrouver la cache d'armes, le rapport de l'équipe. Et il y a les PV d'interrogatoire, le PV de saisie, qui est un appareil du prévenu. Le PV de saisie de prévenu, le PV de saisie d'objet et le PV de l'interrogatoire. Oui. L'an 2020. Les premiers jours du mois de mars, vers 15h, nous, Nikita Ngombo Christian, officier de police judiciaire à compétence générale, trouvant et résident à Goma, certifiant ce qui suit. En vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale, avons procédé à la saisie de d'un téléphone plutôt, de marque Sico de couleur noire, entre les mains du commissaire principal, Mouchama Liroa, Balike, Robert, pour le motif suivant, négligence pour complicité, violation de consignes. C'est vrai. Il y a une urgence. Voilà notre respiratoire qui a été saisi. L'administration pénitentiaire doit voir si tel est le cas et si l'appareil est parmi les objets saisis, on peut toujours lui permettre d'en faire usage. Parce que, est-ce que vous pouvez au bâtonnier national pour solliciter en votre faveur les services d'un avocat Prodeo? C'est le principal. Le problème est le suivant. Vous avez accepté, comme la loi permet aux juridictions militaires de vous désigner un avocat d'office, n'est-ce pas? Maintenant, le président est en train de vous dire ceci. L'avocat qui sera désigné ne vous sera pas imposé. Ok? Si vous estimez que cet avocat ne vous convient pas, vous avez le droit de le signifier au président et... Le premier président de la haute cour militaire écrira encore au bâtonnier pour qu'il en donne peut-être deux ou trois. À vous de faire votre choix. Autrement dit, la justice militaire ne va pas vous imposer quelqu'un pour vous défendre contre votre gré. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Entendu la présentation des faits par le ministère public qui comparait à l'audience de ce jour. Alors qu'à l'audience passée, le ministère public qui avait comparu avait présenté les faits qui se contredisent un peu avec ce qui s'est présenté aujourd'hui. Parce que les faits qui étaient dits à l'audience passée étaient essentiellement sur la perquisition de la maison de la Gombe et
les histoires qui ont été trouvées à la maison. Nous ne comprenons pas parce que ça nous met aussi en difficulté. Est-ce le ministère public peut à chaque fois qu'il y a audience ajouter les faits ou bien quelle est la démarche que nous devons suivre? En attendant, mes estimés confrères vont me compléter sur la question humanitaire. Nous allons vous retrouver et vous allez développer tous vos moyens. La Cour, la Haute Cour va vous répondre de manière correcte parce que nous risquons de tourner autour du pot sans rien faire. Oui, monsieur le gouverneur. Oui. Pourtant, sinon, nous voulions aussi prendre connaissance de ces mémos, à moins que la Cour, à ce stade, n'estime pas opportun de le porter à notre connaissance. À moins qu'à ce stade, la Cour... C'est une pièce du dossier. Vous allez en prendre connaissance calmement. Qu'est-ce qui vient d'être... Honorable, confirmez-vous que parmi les objets qui ont été saisis chez vous, il y a un appareil qui vous aide à bien respirer, un appareil respiratoire? Oui, parce que c'était un appareil qu'on met l'oxygène pour me faire un peu... Nous l'avons suivi. Moi, je ne le saurais pas parce que dans mes packages de médicaments, c'était avec tous les médicaments que j'avais. Alors, là où j'étais, ils ont tout pris et ils m'amenaient des médicaments que je devais prendre à 10 heures. Ils ne venaient pas. On appelle les docteurs. Le paquet de médicaments a-t-il été saisi? Parce que nous sommes. Oui, mais parce que je ne les ai pas, ils ne m'ont pas rendu mes médicaments. Ils m'ont rendu deux médicaments. L'appareil n'est pas revenu avec les médicaments. Donc, la Haute Cour peut comprendre que c'est... Je pense qu'ils regardent. Il faut qu'on puisse les trouver. Bon, je ne connais pas tout ce qui se trouve dans tout ceci. S'il y en avait, ils peuvent voir et me les donner. Comment s'appelle cet appareil? J'avais demandé qu'on a, parce qu'ils ont pris l'appareil en laissant les cartons. J'avais demandé qu'on amène le nom, je ne connais pas vraiment le nom exact. Est-ce que vous pouvez nous montrer parmi les cartons? Non, c'est un appareil qu'on garde dans un sachet. Même quand ils venaient me voir là-bas à Dinéa, ils amenaient l'appareil. J'ai demandé qu'on me donne l'appareil, ils n'ont pas voulu me le donner. Donc, ils ont laissé seulement les cartons vides. Par le greffier va vérifier si, dans les effets saisis, cet appareil a été transféré avec le concours des avocats, bien entendu. Voilà, monsieur, le temps du carton est là. Vous irez voir le greffier, il va vérifier dans toutes ces histoires si cet appareil se trouve parmi les objets saisis. Nous allons faire verbal de restitution de biens, mais dans le cas contraire, s'il est bloqué au niveau des autres services, il appartient à l'organe de poursuite entrant en contact et avec l'administration pénitentiaire et avec les services concernés pour pouvoir retrouver cet appareil et le mettre à la disposition de votre client. Et sur ce, nous arrêtons les choses ici. Nous allons prendre contact, même par voie téléphonique, avec le bâtonnier national pour qu'il mette à la disposition du prévenu commissaire supérieur un conseil pour pouvoir l'assister. Et nous renvoyons à demain à 9h, exceptionnellement parce que la chambre ne siège pas par semaine. Exceptionnellement, demain à 9h, nous nous retrouvons ici. Comme ça, vous venez avec tout ce que vous avez, vous devez attendre. Bien. Mission TV, le miroir du monde.